vision par rapport aux élections en République démocratique du Congo Oui, ma vision sur les élections qui vont se passer ou qui vont se dérouler en République démocratique du Congo est que et nous souhaiterons que ces élections soient libres et transparentes et que chaque candidat puisse au moins faire sa campagne comme il faut et qu'il soit libre et que tout le monde s'exprime. Comme on le voit sur la chaîne nationale, il n'y a qu'un seul candidat qui passe, il y a que lui qui fait sa campagne, il n'y a pas d'autres candidats qui, qui passent sur la chaîne et il n'y a pas d'autres candidats qui qui s'expriment. Donc, je dirais que non, ces élections pour moi. Ils sont pas libres et transparentes en quelque sorte. Donc si ces élections étaient libres et transparentes, on allait, on, on pourrait aussi voir d'autres candidats passer sur la chaîne nationale, passer les messages et, et faire sa campagne comme il faut. Mais pour l'instant, nous constatons et nous avons remarqué qu'il n'y a qu'un seul candidat qui qui fait sa campagne. Donc voilà, je dirais que. En quelque sorte, c'est des élections qui sont à l'avance striquées et qui qui sont pas libres et transparentes. C'est ça ma vision concernant ces élections. Je a le lobby que Moututu a son opinion là. On a le lobby qui a critiqué opposant y a y a Kabila, qui qui ce qu'il dit, il a critiqué. Mais le lobby qui Moututu, tout le monde s'élève contre une Bangope basalaki n'est pas gouverne. On a beaucoup de travail qui est bossu, bossu tout.

motu oyo bacongolais balingi batya ye wana toboyi batricage na bino ya buzoba bozwa soki nani soki nani te élection eleka noma toboyi batrikage parce qe na 2006 biso tozali na congoa na 2006 tomona maambo tu ndenge tomona batrikage ndenge leka badebe esalamaki no de candidat básala deba tomona yango te la même cose convui maienant elingo banda osalama tolingi babiloko wana te botyela biso mutu oyo peple kongolais ayebani eza kobomba te boyebi mutuoyo pepl kongolai alingi donk bolongola biso batmutu wana bozolinga botya wana parceke atravailye déjà wana atravailye tomonina biso eloka malunga tenamboka kongo z mwanaboka kongo sokiolali selemoma moma yango yangoyo yango

donc, une élection, premier tour. Ceux qui ont besoin, il n'y a pas de souci, Ceux qui peuvent avoir besoin, il y a pas de souci. On a besoin que qui a tranquillité dans la Mboka. On a besoin de pouvoir, à jouer. On a besoin de discuter, on n'importe quoi, on n'importe quoi. Non. L'autre, on a besoin de voir, on peut qui faire, on peut se faire, on peut se faire. Mais c'est pas ça. Mais on a besoin que les gens qui ont été opposés à l'élection, on a 28.

mai nalobi ke na vérité na oyo nyonso ezo leka tolingi ke eloko nyonso ezala na mokomoko motu to alingi asala likambo na ye ezala boye élection tango ekoleka ekoleka na motu nyonso mokomoko donc ya problème nanga la... 1po tprobème nanga la... eza tike nalingake makili etanga na mboka obe kua no ye azalaki kuna awelekakaa poste ya premier ministre

Ça compte beaucoup. Tu vois, tout ça gêne, d'accord, mais l'expérience politique, ça compte. Moi, ce que je dirais pour ces élections. Je devais d'abord décortiquer euh, les, les chiffres 3 et les chiffres 11. Pourquoi les chiffres 3 Parce que si vous regardez bien les chiffres 3 selon l'ordre alphabétique, vous verrez que les chiffres 3, c'est la lettre C. Et si vous remarquez, C. Vous constaterez chez nous au jour d'aujourd'hui, surtout en République démocratique du Congo, aujourd'hui il y a des francs-maçons chez nous. Et tous ces gens-là, ils sont en train d'occuper les, les, les terrains. Et au Congo, vous verrez, il y a des Congolais qui sont en train de construire sur leur mire, vous allez voir ces signes. C ces signes de triangle avec l'œil. C'est les francs-maçons. Donc ça veut dire, écrire Congo avec C, c'est dénaturer, dénaturer l'histoire de tout un peuple. Écrit Congo avec ces, C, c'est de l'histoire de tout un peuple. Et je dirais pour les chiffres, les chiffres 11. Les chiffres 11, c'est les lettres K. Pourquoi K K, c'est l'univers, euh, c'est le centre de l'univers. Et les chiffres 11, c'est la lettre K. Et le candidat numéro 11, c'est M. Estienne Tiseke dit Pourquoi je soutiens Tiseke dit Parce que la lettre K signifie le centre de l'univers et c'est ainsi que nos ancêtres écrivaient Congo avec K. Si on tourne ces K comme ça, vous regarderez, vous verrez que nous sommes au sommet, là, là, nous sommes au sommet des triangles. Donc nous sommes au sommet des triangles et j'inviterai mes compatriotes d'aller voter pour le candidat numéro 11 parce que je pense qu'avec lui, on aura un état des droits comme il dit. Yo Franci yo Franci oyebi Franci Kalombo yo yebi je m'appelle Chikito Chik, Chikito li Kofi Morotina yolo o tchetembo moniango donc eh, voilà quoi yo mongoyebi okutana ki donc eh, o oh, anezala ki avertissement mais okutana nango les susus sokezali pena ke no ba bana kolongola bi no, ba ba kotisi openda le boko na kati nzoto ba pasoliyo ba ba pasoliyo pasoli pancréas na kati ya libumu hein eh? pe ba bimision mi chopo oyo aza natembe ya komona po na avote kabila parske nalobi eloko moko batata wana tozoloba lelo bazalaki kuna te basalaki nini basaieloko te oyo alolkiisekedi aye bapesiye baeie azked na boka toboyi te baoliumba baalai tbalailelo tlobakimboawana toboyi te ai lelo tana pou lelo as <coughs> bino bolingi baloba te

nppleaseprendre en charge bayebanni bakovote e message na ngai so, ya nsuka mpo na koyebisa bakongolais nakoloba kaka na banaakini nciango eza wra terendeencharge binobanaboasokingoi molunda asali volonté na bino te bana ya ciango bana, bana ya ni bana yachine bana ya bipai nyonsoto bavandi na kati ya mabele ya kongo Bon, c'est prendre en charge tout le Romeo, il faut Babima Libanda. Et papi, tu es ya dans le monde, Mamabe, il faut Abima, Libanda comme ça, songisa état des droits dans Katsia Kongo. État des droits, mon frère, dans le bétaseté. État des droits, le obtient que le pouvoir est passé des pères en fils. Des pères en fils, non. État des droits, Ezali, état des droits au Salimabe, au Yibi, au Violet, au Donc voilà, état des droits au Bissot, au